Les noces de diamants, ça se fête. Et pour marquer le coup, le réseau MTN lance l'émission Fièrement Béninois. Une innovation destinée à égayer le peuple béninois dans le cadre de la célébration des 60 années d'indépendance du Bénin. On a essayé de ressortir les éléments qui font en sorte que les Béninois sont fiers d'être Béninois, sont fiers de leur pays. Donc les éléments qui ressortaient, c'était des éléments culinaires, des éléments vestimentaires, la fierté du pays. Et en fait, c'est fièrement béninois ici et ailleurs. C'est pour dire que vous soyez au Bénin ou à l'extérieur du Bénin, tant que vous êtes béninois, vous êtes fiers d'être béninois. Fièrement Béninois est un plateau consacré à divers secteurs d'activité. Du monde culinaire au monde sportif, en passant par celui de la culture, le public béninois aura droit à une émission riche en couleurs et variétés locales. Moi, en tant qu'artiste, j'utilise la parole agissante pour montrer comment est-ce que nous avons pu construire autour de notre histoire beaucoup de choses, les talents, les génies, ce qui fait que le Bénin est le Bénin. Nous sommes là, nous allons apporter notre petite contribution. Sur ces 60 dernières années, on a eu beaucoup de fierté dans notre pays, des fiertés béninoises, des sportifs qui ont servi d'ambassadeurs pour le Bénin. Et aujourd'hui, l'occasion m'est offerte de pouvoir échanger avec quatre parmi plusieurs centaines de sportifs que nous avons connus ces 60 dernières années. Donc franchement, nous avons un panel assez fourni. Rendez-vous est donc pris sur la télévision nationale pour découvrir votre émission Fièrement Béninois.